l'instar d'autres villes de la République démocratique du Congo, voit certains de ses habitants commencer leur journée par le verset biblique de Matthieu 6:6, ou encore par une messe pour les uns et une culte pour les autres. Cette situation est valable pour les églises dites anciennes ou classiques ou d'autres qui viennent élargir la famille chrétienne. Église qui se métamorphose pour donner une image qui honore ce qui y prie. Ce que vous voyez derrière moi, c'est une église de réveil, les moissonneurs. Dans le cadre des activités du renforcement économique de Média du Katanga, REMEC en sigle, la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC, avec l'appui de l'ONG Grete et ses bailleurs de fonds qui s'engagent, agissent et innovent pour un monde plus juste, vous font découvrir quelques sites de Lubumbashi avec le concours d'une des bibliothèques vivantes de cette ville. Monsieur, voulez-vous vous présenter et nous dire où sommes-nous à ce moment précis? Je m'appelle Jerry Kabola Kafumbe. Je suis né à Lubumbashi, je suis un natif de Lubumbashi. Je suis bourgmestre honoraire de la commune de Katouba. Katouba qui veut dire? Katouba, c'est une rivière. C'est un ruisseau et une rivière qui se jette dans la Lubumbashi. Ok. Et puis, présentement, je suis coordonnateur provincial de la brigade d'assainissement. Je suis ambassadeur pour la paix universelle. Je suis leader patriote confirmé. C'est beaucoup, je ne peux pas aller plus loin. Beaucoup de choses veut dire tout simplement qu'en tant que natif de Lubumbashi, vous connaissez le Lubumbashi. Qu'est-ce que là veut dire ce terme-là, ce mot-là, le Lubumbashi? Le Lubumbashi, c'est la rivière. C'est la rivière qu'on appelait le Lubumbashi par l'ancêtre qui restait ici, les grands chefs qui restaient ici, à Lubumbashi. Et ces ancêtres-là ont surnommé cette rivière le Lubumbashi. Voilà. Ça se trouve de quel côté? Pour quelqu'un qui quitte Kinshasa ou c'est vers l'ouest. Si vous arrivez à l'aéroport de la Loano, vous prenez les centres-villes et vous voulez aller à la Katouba en passant par la Jekamine, vous allez traverser cette rivière Lubumbashi. Et là, vous verrez la rivière. Et là, cette rivière a sa source plus loin. C'est vers le mont Mukwenye, à Kipushi là-bas, c'est là où la rivière est venue. C'est un chef qu'on appelait Inakiluba. Le chef Kiluba, c'est le chef Kaponda, ils sont originaires, tout ça, ils sont frères, tout ça. C'est de là où cette rivière prend sa source. Oui, là, nous, ça nous intéresse parce que vous faites, jusque-là, vous venez de citer déjà votre commune que vous aimez beaucoup, parce que vous avez œuvré là-bas, c'est Katouba, si je ne me trompe pas. Oui. Vous avez cité le Lubumbashi qui est aussi une commune. Oui. Il y en a combien ici à Lubumbashi? À Lubumbashi, il y en a 7. Mais moi, je suis né à Lubumbashi, pas à la commune de Katouba, je suis né à la commune de Lavashi. Oui. Ah, ça fait déjà 3. Ah bon, sur les 7, nous avons le Lubumbashi, nous avons Katouba, nous avons Ouachi. Nous avons Kampemba, nous avons Kamalondo, nous avons commune annexe et voilà. Kenya. Voilà. Vous pouvez nous donner un peu la signification de ces différentes communes si vous avez encore bonne mémoire? Ouais, je parle de Kamalondo parce que nous sommes tout près ici. Kamalondo, c'est la rivière, c'est le ruisseau. C'est le ruisseau. On appelait ça Kapongo.
Kapongo. Mais avec le temps, vous voyez, l'homme blanc a changé beaucoup de noms. Hein? Oh, Kapongo, Kabalondo. Et d'ailleurs, c'était la première commune qu'on a construite par l'homme blanc, par les Belges. Parce que c'est une commune qui est tout près de la rivière Lubumbashi, là où la Gécamine, l'Union minière, avait implanté son usine de traitement. Voilà. Et c'est la première commune qu'on avait construite par l'homme blanc, qu'on appelle Kamalondo. Kamalondo, c'est une rivière. Et puis Kampemba, c'est une rivière aussi. Vous voyez, presque tout, toutes les communes portent le nom de rivière. Sauf Kenya. Kenya, oui. Oui. Kenya signifie Kenya, le pays Kenya. C'est ça. Ouais, oui, nous avons un pays Kenya qui s'appelle Kenya avec sa capitale Nairobi. Mais pourquoi on a donné ce nom-là? Bon, nos ancêtres, nos papas qui revenaient de la guerre de 1918 là, au lieu de les loger au camp Mangou, au camp Major Massar, mais on les amenait vers Nyanchi. On appelait ça Nyanchi. Nyanchi signifie les cases étaient construites avec des pailles. Et on appelait Nyanchi. Mais quand on amenait nos papas qui revenaient de la guerre de 14-18, on a surnommé, dit, amenez ces gens à Nyanchi là-bas. Quand ces gens-là restaient là-bas, mais les gens qu'on veut, les autres qui venaient chercher ces gens, on dit, ah, je cherche les gens qui sont venus de Kenya. Bon, jusque-là, on a dit, bon, voilà Kenya. Hein, on a donné le nom de Kenya à cette commune, pendant que la commune, dans les temps, s'appelait Nyanchi. Hein, c'était des cases en paille. Voilà Nyanchi. Et puis Roissy. Roissy, c'est la rivière. C'est une rivière, c'est un ruisseau. Et la première mine de la Gécamine a exploité là-bas. C'est là où il y avait la ville de Lubumbashi. C'est ça. La ville de Lubumbashi a commencé à la Roissy. Hein? On appelait le chef qui était là, on l'appelait Roissy. Pas Roissy. L'homme blanc, comme il change toujours, il dit non, j'appelle ça Roissy. Mais ça s'appelait Roissy. Roissy. Et Kaloukoulouku. Kaloukoulouku pourquoi? Et vers le soir, dans cette contrée-là, il y avait des petits pigeons, hein, des brousses. Ces petits pigeons, vers le soir, ils chantaient Kaloukoulouku. Et l'homme blanc a dit, ah bon, nous sommes à Kaloukoulouku. Voilà, cette mine s'appelle Kaloukoulouku. Hein, parce qu'il y avait beaucoup de tourterelles. On appelle ça les petits pigeons. On a donné le nom de Kaloukoulouku. Mais quand on avait construit la toute première ville de Lubumbashi, c'était à partir de la Roissy. Parce que l'homme blanc a commencé là-bas à exploiter. C'était la première mine ici au Congo. C'est la mine de Kaloukoulouku. Quand vous avez vécu ici à Lubumbashi, c'est que vous pouvez connaître quelques points de repère de Lubumbashi. Si quelqu'un arrive à Lubumbashi ici, quels sont les coins qu'il peut visiter pour qu'on sache qu'effectivement il a été à Lubumbashi? Présentement, on commence par l'aéroport, qui est le point d'arrivée d'un étranger, parce que s'il venait par avion, il doit descendre à l'aéroport. Bon, quand il descend, il faut voir l'université, parce que c'est là où nos enfants étudient, ce sont des coins là où on peut visiter. Il y a le building Gécamine qui sont au rond-point Carrefour là-bas, qu'on peut visiter. Ce sont des points de repère. Il y a les ronds-points Carrefour qui peuvent vous conduire, parce qu'il y a l'avenue Lumumba, qu'on appelait l'avenue Massar, hein, dans les temps. C'est ça. Ok. Et si vous descendez, vous arrivez juste d'abord à la SNCC. Hein, à la gare. Parce que cette avenue Massar a mené les gens vers les camps Massar, les camps Vangou. On l'a surnommé après. C'était un camp militaire, le camp? Oui, un camp militaire. Oui. Le premier camp ici, c'était le camp militaire Massar. Major Massar. Voilà. Si vous descendez vers les camps Massar, et les prêtres, hein, les religieux,
Hein, toutes religions confondues, ils ont fait des églises. Et nous avons deux grandes églises ici qui étaient construites vers les années 1908-1900. C'était l'église catholique cathédrale Saint-Pierre-et-Paul et l'église Jérusalem pour les méthodistes qui est à côté de nous ici. Ce sont les deux grandes églises qu'on avait construites. Il y a de cela maintenant plus de 100 ans, parce que c'était vers 1908 que ces églises ont été construites. Et voilà le point de repère. Et en plus de cela, une chose qui va vous frapper, c'est la cheminée de la Jekami. Cette cheminée-là, ça fait la fierté de nous. Heureusement qu'on n'a pas détruit cela. Ça nous arrange parce que c'est l'histoire pour nos enfants. Comment on avait fait cette cheminée et pourquoi on avait fait ça. C'est là où la Jekamine faisait cuire son cuivre. Et c'est ça la richesse même du Congo. Parce que c'est la Jekamine qui a créé beaucoup de villes au Congo. D'ailleurs, on dit que Lubumbashi, c'est la capitale économique pour la République démocratique du Congo. Nous avons effectivement vérifié ça. Mais à ce qui concerne le côté sport, est-ce qu'il y a des coins qu'on peut aussi découvrir? Oui. Vous devez savoir que le premier stade qui était ici, c'est le stade Léopoldé. Léopoldé qui se trouve tout juste à côté de cet hôpital qu'on appelait Hôpital Léopoldé. Après, maintenant, c'est Hôpital Janson Sengwe. Bon, c'était le premier stade. Je ne vous interromps pas. Pourquoi Sengwe? Janson Sengwe, qu'est-ce qu'il était? Ah, c'est un leader katangais. Et il s'est battu. C'est un leader nationaliste qui a fait le Congo avec les Lumumba et consorts qui ont lutté pour l'indépendance de notre pays. Puis, le stade de Léopoldé, pourquoi on a donné Léopoldé? C'est ce stade pour lui. Nous avions un monseigneur qu'on appelait Jean Denitim, qui se ressemblait fort à Léopoldé. Et à côté, il y a une école qu'on appelait École Saint-Moniface. Au fait, vous parlez école, comme vous pouvez le savoir. Du côté école secondaire, là, qu'est-ce que les gens peuvent retenir parmi les grandes écoles d'ici? Ben, je vais y revenir parce que je termine d'abord avec le stade. D'accord, allez. Okay. Vous voyez, le stade de Léopoldé, aujourd'hui, c'est merveilleux. Notre gouverneur, vaillant sportif, il a modernisé ce stade. Le type, même un Belge, qui avait vécu au Congo, mais qui est encore là, même vieux, quand vous l'amenez aujourd'hui là-bas, il va dire non, c'est impossible. L'homme noir ne peut pas faire ça. Là, nous félicitons notre gouverneur, vaillant gouverneur, qui a transformé ces stades et les rendre un stade international. Et ce stade nous fait fiers. Parce que moi, je suis tellement fier de trouver un stade. Sans oublier le stade qui va s'en aller, qui s'appelait stade Albert. Dans les temps, mais on a essayé de l'arranger, de l'assainir. Il est passable aussi, c'est un stade international aussi. Bon, quand je reviens pour les écoles, vous devez savoir les écoles en quoi. À Lubumbashi, il y avait des écoles. École Athénée Royale d'Elisabeth, qu'on appelle aujourd'hui qui elle est. Cette école, cette Athénée-là, pour y aller, il faut être un enfant d'un acte. C'est lui, un enfant que son père travaille quelque part dans l'administration de Zaï. C'était réservé aux Blancs. Mais il y a eu un temps, quand on a eu l'indépendance, nous tous nous sommes allés là pour étudier tout ça. C'est notre Athénée qui était vraiment une école très respectueuse, une école là très propre. Et en dehors de cette école-là,
l'Athénée d'Elisabethville. L'homme blanc n'a pas oublié de faire l'Athénée pour noir, du ciel, à Lubumbashi. Il a fait l'Athénée de Katouba. On l'appelait l'Athénée royale de Katouba. Ça, c'était réservé à l'homme noir. Mais tous les professeurs, tous les préfets, c'était des blancs. Et on donnait ça à l'homme noir parce que l'homme blanc ne voulait pas qu'on se mélange avec lui à l'Athénée royale d'Elisabeth. Voilà. Et après ça, on a eu Sacré-Cœur, qui était une grande école aussi. Saint-Boniface, Collège Maïs. Actuellement, comment on l'appelle? Hein? Sacré-Cœur. Oui, moi. Ah oui. Il y a eu Maïsa, qui était Saint-Grégoire-le-Grand. Et puis, il y avait l'école ici, Missingi, qui était une école qui a formé aussi des gens, Missingi pour les méthodistes. Hein? Ce sont des écoles qui étaient des écoles bien construites, parce que jusqu'à présent, si vous voyez le matériel de ces écoles, on n'en trouve pas. Mais ce sont des matériels durables et puis bien propres. On a créé des petites écoles par-ci, par-là, dans les communes, des écoles officielles, des écoles catholiques, des écoles protestantes. Il y en avait beaucoup dans la ville de Lubumbashi. Imara, ça les gens... Oui, le collège fait partie de ces grandes écoles. Parce que le collège Imara a formé beaucoup de cadres actuellement au Congo qui gèrent les Congo. Hein? Il y a eu beaucoup de gens, les Ngoz Karibonde, les Moulumba Lukoji, des gens, il y en avait beaucoup. Et mais présentement, même l'excellence Mouyej, tout ça, il a étudié à Lubumbashi, il a étudié dans ses écoles. Et vous voyez que nous, Lubumbashi, après Kinshasa, parce que Kinshasa c'était la capitale, mais comme vous avez dit ça, Lubumbashi était la ville économique. L'homme blanc s'est penché à Lubumbashi trop que dans d'autres provinces. Voilà ce que je veux dire. S'il y avait un message à adresser à la jeunesse, à vos collègues, à tous ceux qui nous suivent, quel serait-il? Bon, vous devez savoir que je suis parmi les compagnons de Mzee. De Mzee Kabila. C'était le modèle. Le modèle. Parce que je suis même secrétaire urbain de la ville de Lubumbashi, de l'AFDEL. Oui, mon musée nous a appris beaucoup de choses. Cette petite taille, prenez-vous en charge. Ça vous dit beaucoup. Mais pour nos enfants, nous devons... je l'ai demandé même il y a quelques temps, qu'on ouvre même dans les écoles les cours de l'éducation civique. Nous devons former des patriotes, les enfants qui aiment leur pays, qui ne sont pas là pour faire vagabonder seulement les idées malsaines, tout ça. Non, nos enfants doivent être des patriotes, comme vous avez dit. Hein? Nous devons nous prendre en charge. Nous ne devons pas toujours aller leur richer d'ici par-ci, par-là, mais nous devons aider l'autorité. Nous devons aimer notre pays, aimer nos autorités qui nous gèrent. Et si on ouvrait le cours de l'éducation civique, réellement l'éducation civique, parce que je ne sais pas si on les donne, mais on peut donner ça même à l'université. Parce que dans les temps, nous quand on était à l'école, on étudiait l'éducation civique. Et en dehors de ça, on faisait les travaux manuels. Et les deux là, nous amenaient à aimer notre pays et à devenir des vrais parents. Voilà ce que nous pouvons donner comme héritage à nos enfants. Leur enseigner d'être patriotes, d'aimer le pays et leur chef, d'aimer son ami, hein, son entourage, hein, d'aimer son prochain. Parce que si je t'aime, je ne peux pas te faire du mal. Si j'aime, je ne peux pas détruire tout ce que vous voyez là ici, parce que j'aime mon pays. Voilà ce que je fais. Merci beaucoup, doyen. Nous, on termine toujours par une petite...